être dans son pouvoir. Le pouvoir est une énergie, une force avant tout. Avec la conscience, nous avons été dotés d'un nombre impressionnant de pouvoirs, dont celui de décider et de créer complètement notre vie. Nous en avons aussi d'autres, tels que le pouvoir de penser, de choisir, de désirer, de sentir, de visualiser, le pouvoir d'agir, de prier, d'apprendre, de parler pour mieux communiquer, de rire et de s'amuser, et tellement d'autres encore que nous allons avoir à découvrir tout le long de cette vie. Tous ces pouvoirs, avec l'aide de notre puissance intérieure, nous permettent de nous réaliser pleinement, en transformant pour le mieux les choses qui nous tiennent à cœur. Et ce, dans le but ultime d'apprendre à aimer et à reconnaître qui nous sommes véritablement. Plus nous contactons notre puissance intérieure, plus nous utilisons nos pouvoirs de façon intelligente et plus nous choisissons des choses qui nous aide au niveau de notre être. Je vous souhaite de découvrir en profondeur votre être véritable et par là même, au fur et à mesure de révéler davantage jour après jour votre puissance intérieure. Celle-ci n'est pas inexistante. Cette puissance, à ce jour, est juste recouverte par d'innombrables blessures qui se manifestent sous forme peut-être de trahison, d'injustice, d'abandon, d'humiliation ou de rejet. Plus tu te rejettes, plus les autres, en effet miroir, vont te rejeter. Voilà les expériences que tu as à vivre. En permanence, tu as en face de toi un cadeau qui se nomme le miroir pour t'aider à prendre conscience que ce que tu vois chez l'autre existe aussi en toi, mais que très souvent tu n'acceptes pas d'être, donc tu te refuses à t'aimer dans toute ton unicité, c'est-à-dire dans tes forces, mais aussi ce que tu considères comme tes faiblesses. Le pouvoir de l'amour et de s'accepter, se donner le droit d'être qui nous sommes à chaque instant. Dans toutes nos attitudes et nos comportements, qu'ils nous plaisent ou non. Tu vas vivre à présent une expérience qui va te permettre d'alléger,
cet être merveilleux que tu es. De petit à petit te reconnecter avec ton véritable pouvoir intérieur, qui n'est pas le pouvoir que tu peux avoir sur les autres. Non, ça s'appelle du contrôle. Mais faire preuve de son propre pouvoir est le signe que l'on maîtrise sa vie, donc son être, donc que nous sommes de plus en plus capables de répondre à nos besoins véritables, les vrais besoins de notre âme. Je te souhaite de pouvoir t'alléger de certaines lourdeurs qui, jour après jour, te pèsent et t'empêchent de te reconnecter à ton pouvoir intérieur. Celui-ci est en toi et a toujours fait partie de toi et fera toujours partie de toi. Tu n'es pas né avec des manques. Tu as tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton plan de vie. Acceptes-tu ce grand défi qu'est la vie ? Acceptes-tu de voir dans chaque expérience un cadeau de la vie afin de te reconnecter à l'amour véritable de ton être ? Je te le souhaite. C'est la plus belle chose au monde que l'on puisse s'offrir. S'aimer. S'aimer véritablement. Se donner le droit d'exister, d'être humain, d'avoir des limites, d'avoir des blessures, d'avoir des peurs et des croyances, comme tout un chacun. Mais se donner le courage d'avancer dans sa vérité avec tout ce qui nous compose. Tout ce qui a fait partie de notre histoire. Je te propose à présent de vivre une courte expérience en compagnie de différents esprits alliés qui vont, durant tout ce processus, t'accompagner et être présents à tes côtés. Ils vont t'aider à peut-être identifier certains freins ou blocages qui se présentent aujourd'hui dans ta vie, à ce moment. Ou peut-être vont-ils tout simplement retirer quelque chose qui t'encombre et dont jusqu'à ce jour tu n'avais pas encore conscience. Ou peut-être vont-ils t'aider à te reconnecter sur ton chemin pour retrouver ton plein pouvoir. Laisse aller, laisse-les te guider, t'interpeller, voire te toucher. Ceci fera partie de ce soin un peu particulier. Pour vivre pleinement cet instant, je te propose de t'allonger directement sur le sol. N'hésite pas à prendre un coussin et à le placer sous ta tête. Puis, je t'invite à allumer, pourquoi pas, une bougie. Et enfin, tu vas pouvoir prendre trois grandes et profondes inspirations et expirations.
Veille à ce que ton expiration soit plus longue que ton inspiration. Première inspiration, tu gonfles le ventre, puis tu expires longuement et lentement tout l'air. Deuxième inspiration, tu gonfles le ventre et la cage thoracique. Puis tu expires longuement et lentement tout l'air. Troisième grande et profonde inspiration, tu gonfles le ventre, la cage thoracique et les parties hautes de ton corps, c'est-à-dire les épaules. Puis tu expires longuement et très lentement tout l'air, jusqu'à temps que tu aies tout vidé, l'air de ton corps. Peux à présent reprendre une respiration normale. Sens à présent tes pieds qui sont posés sur ce sol. De ces pieds sortent des racines qui s'enfoncent dans le sol. Plus loin, toujours plus loin, plus profondément, jusqu'à rejoindre le soleil central de la Terre. Et par ses racines, tu vas voir remonter une belle lumière rouge-orangée qui va remonter tout le long de tes racines, qui remonte. Remonte encore jusqu'à venir sous tes pieds et inonder l'ensemble de tes pieds, de la plante de tes pieds. Te voici à présent ancré. Je vais à présent inviter un à un, tous les esprits qui vont te rejoindre et t'accompagner. Tu peux à présent fermer les yeux. Accueille-les, regarde-les et surtout écoute-les. Je te souhaite une belle et merveilleuse détente. Oh!
Oh,